Salut à tous. Du coup, en fait, j'ai finalement décidé de continuer le Slant Salent et pas celui de Rizard. Parce que je me suis dit que Salent, bah, on a vu que 2 jours au final. Même si on a toujours 3 parce que. Parce qu'il n'y avait pas de jour 0. On n'a même pas vu de boss. On n'a pas fait grand chose donc. C'est un peu décevant donc on va quand même continuer juste un jour. Et à la fin de ce jour, on continuera celui de Rizard. C'est des bouffons quoi. Là vous voyez même pas ma tête mais. J'ai une tête de gros blasé genre mais qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. Alors on va aller vérifier les équipements, si on peut pas acheter des trucs parce qu'on a un peu d'argent je crois. Ouais. 3000 PO quand même. Toc 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 toc, je regarde juste, hein. Ça peut faire comme la vidéo d'avant. Je sais pas si j'achète ça ou pas. Ça sent rien. Ça, ça lui servira pas en fait sauf si on met ça. Parce que c'est à une main et un bouclier avec, mais bon. Bof. Ouais. Y a pas grand chose à mettre finalement. Après là ouais ça lui baisse quand même son esprit. Ouais je me dis 2 d'esprit pour 13 d'attaque. Allez, je le mets. On a aucun accessoire, vous avez vu, on a rien eu dans les. Ah ouais quand même. On n'a rien eu dans les coffres niveau accessoires pour l'instant dans ce scénario. Donc là faut aller dans le port qui est là. Et avec qui est-ce qu'on croise? Riza et Garlil. Voilà, ce qui est un peu con, c'est qu'en fait, en croisant les autres persos, il y a forcément un des deux scénarios qu'on n'a pas fait. Enfin, la logique voudrait qu'on fasse d'abord Riza, puis celui-là, pour pas se spoiler le scénario de Riza en fait. Mais bon, c'est pas un vrai spoil. Tu y crois, genre c'est un truc trop étonnant. Alors je sais plus où c'est. Oh là c'est là. Vous avez remarqué dans le jeu, on aime bien prendre des bateaux. Et à chaque fois ça fait tomber la nuit. Bon,
t'aurais dû attendre d'être là avant de d'acheter des équipements. Parce qu'à tous les coups, il y a des meilleurs équipements ici. Ah, je peux pas lui parler. Ah si. Bon, ça, c'est des petits détails qui servent à rien. On va regarder la carte du monde. Dunelf, c'est là où il y a la tour des Braves. Dans le scénario de Sion. Est-ce qu'il y a des marchands d'armes ici? Ah bah non, en fait. Bon bah tant mieux. Voilà, bah c'est exactement ce que je disais il y a deux minutes. Je sais plus où il est. Il y a un marchand qui nous... C'est ce que je vous avais expliqué avant. Ah bah voilà, c'est lui, c'est Nurk. Ah oui, on peut passer par là aussi, d'accord. Voilà, parfait. Et là, on se spoil un autre scénario, celui de Sion. J'aime bien le design du marchand, il est marrant. S'ils avaient arrêté les poupées, ça aurait été plus pratique, mais bon. Ce que j'aime bien, c'est que le groupe de Sion... Ils s'en font interrompre comme des merdes. Genre, ouais, tu connais le vieux Ramirez. Et là, oh, prête-moi ta marque. Ok, venez rentrer. Il ignore complètement le groupe de Sion. Genre, allez vous faire foutre. Les affaires avant tout. Y'a quoi qu'il nous a même pas fait payer en fait. Allez. Donc, nouveau donjon. Hein. De souvenir, le donjon n'est pas très compliqué. Ah oui. Alors peut-être qu'ils sont d'éléments foot, c'est pour ça que ça qui fait pas tellement de dégâts. Ah, par contre, c'était pas mal d'avoir acheté cette arme. J'ai bien fait. Même si mes magies seront un peu moins puissantes. Alors avant de monter les étages, à chaque fois, on va essayer de... Ah, ok. Ah oui, d'accord, il y a deux entrées côte à côte. Je sais pas qui a designé ce truc, mais ça sert à rien. Ah, il fait pas très mal, hein. Alors, c'est quoi ça? Salent, il a 102 points de vie? What the fuck? Il a plus de vie que Suck. Attendez, je regarde un truc. 26, 25, 20, 32. J'y crois pas. Il le surpasse dans toutes les stats. Mais il le massacre en plus. Force, il a plus déjà, ça c'est pas du tout normal. Et après, il a plus de dextérité, plus de vitesse et plus d'esprit, mais un truc de fou quoi. Esprit, il a plus du triple. Ouais, vitesse, bon ça c'est pas trop étonnant, et dextérité, putain, il le démonte. Putain, il y a des stats de malade en fait, Solent. Bon, il y a l'équipement aussi. Alors là, il doit y avoir un interrupteur quelque part. Ah oui. Léon, nettoyeur. Hop. Bon, la différence c'est que
avec des ennemis qui craignent la foudre. Ça fait mal. Je crois que j'avais oublié de me soigner là. Oh, c'est bizarre qu'ils aient aussi peu de vie là. Ouais, j'ai oublié de me soigner. Bon, c'est pas grave parce que dans le donjon, il y a une... Il y a un truc qui nous soigne tous les... Qui nous soigne tous les MP, les points de vie. Hop. Ah, voilà. Mais... Je crois qu'il y a un sort qui est super puissant. C'est pas... Attendez. Je m'en rappelle plus exactement. Ça ressemble à ça. Power. Ah. Ouais, un truc comme ça. Hein. Ça ressemble à ça. Non merde, c'est pas ça. Un tiret quelque part. Hein. Non. Merde. Je sais plus. Bon, c'est un truc qui ressemble à ça. Et ça fait des dégâts de malade. C'est enfin ça fait des... ça fait pas des dégâts de malade ça. Ça augmente les stats. La force je crois. Ouais, ça augmente la force. Et ça permet de limite doubler je crois les dégâts qu'on fait. Ok, ça va. D'ailleurs, vous m'avez proposé des mots. Faudrait que je les mette. Sauf que, comme un con, j'ai oublié de les noter. Ah, mais du coup, ça fait un truc de foudre. Mort de rire. Ouais, non, mais on va attaquer. Eh ben. Pas grave, hein, on continue. On va continuer full bon. Hein. Même s'il meurt, c'est pas grave. Bon, il meurt pas de toute façon. Là, ça commence à être intéressant niveau XP. Ouais, donc vous m'aviez proposé. On va les foutre là. Il y avait Megami, ça je m'en rappelle. Où il est? Enfin, il me semble que quelqu'un m'a dit Megami. C'est un vrai sort en plus dans le jeu. Megami. J'essaie de me rappeler, mais vu ma mémoire de merde, voilà, ça fait une restauration HP de sort tous, donc c'est super puissant ça. C'est un peu comme Refuna en fait, mais en plus fort. On m'avait proposé quoi? Putain les gars, je suis désolé. J'aurais dû noter, j'ai fait le bouffon. On va attendre, je vais jouer, et puis je vais essayer de m'en rappeler en même temps. Y'avait quoi? Ah ça y est, j'en ai un. Y'avait... Kirobero. On va les tester en combat après. Ok. Ouais, je sais plus, désolé. Hein. Je vais noter pour la prochaine fois. Et je les mettrai tous. On va les tester. On va commencer par Kirobero. Ouais,
Voilà, bon. Un peu décevant. Ça fait un peu la même chose que le sort qu'on avait déjà là, le. C'était quoi, Tolosu, ouais. Ouais, c'est des gars de foot sur une personne, quoi, en gros. Alors là, si je me souviens bien... Oula. Je crois que c'est ça, ouais. Faut aller là. Interrupteur. En fait, la suite, c'est au milieu. En fait, j'ai bien fait d'acheter cette arme pour Silent, hein, c'est sûr. Parce qu'on fait encore assez mal. Ouais, la suite, ça doit être au milieu, donc. On va aller à gauche. Yes. Alors. Yes. Genre feu. Défense magique, esprit. Ah bah parfait. C'est pour lui ça. C'est pas comme s'il a déjà des stats complètement abusées. Bah après c'est le perso principal hein. Mais bon c'est un peu n'importe quoi que ce soit un mage et qu'il ait plus de points de vie et d'attaque que le guerrier mais bon. Prends ça. Saloperie d'iguane de merde. Alors, tac. Non, je dis ça, mais j'aime bien les iguanes en vrai. Tac. Normalement, on arrive à la fin. Ah merde. Il y a deux chemins. Ah, mais ça, c'est la sortie, ça. Ah, mais non, il n'y a rien par là. Donc, ouais, c'est bien ça, la sortie. Enfin, la sortie. Quand je dis la sortie, je veux dire la fin du donjon. Ça c'est le boss. Quoi? Mais j'ai rien fait. C'est le... Non. Ça c'est un parc d'attractions. Et là si vous regardez à gauche, il y a le gosse qui est à gauche là, qui ressemble à un lutin. On l'a vu sur le pont avec un reptile. Qu'on était passé en barque dans la forêt. Oh mon dieu, des poupées. Alors je sais pas ce qu'elles craignent ces putains de poupées. Il me semble que ça avait rien fait. Hein. On va commencer par ça. Bon, on va toujours tuer les plus petits trucs en premier, ils feront moins de dégâts comme ça. Fuck. J'ai l'air de craindre la foudre. Bon, on va devoir soigner. Elle est trop bien cette musique. Attendez, ils sont de foudre, hein, c'est ça? On va tester un truc. Non. De toute façon, il fait pas de dégâts avec sa magie, ce perso. Bah, lui, il doit craindre l'eau, logiquement. On va faire un truc. On avait des attaques d'eau. On va voir ce que ça lui met. Ça lui a mis quelques dégâts le truc d'eau quand même.
Bon là ça va être full bourrin. Vu que c'est un boss qu'on a pas trop tôt dans l'aventure, on est bien équipé. Surtout qu'on s'est fait de l'XP un peu. Allez, on va faire plaisir à celui qui a proposé Megami. Si je me trompe pas, hein, parce que c'est un vrai sort et je suis pas sûr que quelqu'un l'avait proposé. Mais bon, pas grave. Voilà, c'est assez sympa, ça régénère beaucoup. De toute façon, on va remplacer Refuna par Megami plus tard. Parce que c'est beaucoup plus efficace et que ça régénérera pas assez l'autre. Bon allez, bon. Hein. Voilà, c'était pas trop dur. Voilà, en gros, ouais, Rudra, vous connaissez l'histoire tous les 4000 ans. Mais apparemment, il y aura une éclipse quand une race s'éteint. C'était Gael qui est là. On a trop le gars qui est complètement torché, qui vient de se réveiller. Alors moi c'est moi je m'appelle comme ça l'autre ah la faute je me casse. Niquez tous vos mères. Non je suis bon allez hâte. Ça qu'il est marrant parce qu'il a une personnalité assez cool. Enfin pas cool du tout mais c'est un gros bourrin quoi. Et en fait Lolo c'est un perso qu'on pourra avoir. Enfin qu'on va avoir. Tac. J'aurais pu me soigner. Bon allez. Allons nous soigner. Attends, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait mis une liste de malades, je crois. Et j'ai pas retenu un seul des trucs. Putain, j'abuse les gars. Ah bah oui, c'était Perfect Link, putain. Putain, je suis désolé, mais... Prochaine vidéo, j'en mets plein. Je mets plein d'essence de mots. Bon, on va sortir par là, c'est plus rapide. Ouais, de toute façon, ouais. On a bougé en fait. What the fuck? Ça ressemble à un couffin, c'est marrant. Ouais, bon, une vidéo qui s'est bien passée. Là, ça sent la couille, j'ai enregistré. J'ai pas oublié d'enregistrer mon micro, non, c'est bon. Non parce que les vidéos de Silent là, bah autant les vidéos de Rizia et de Sion, ça s'est super bien passé, mais les vidéos de Silent c'était l'enfer les gars. La première je l'ai recommencé 4 fois. Et la deuxième, bah il y a plein de coupures parce que j'ai fait de la merde en fait. J'espère que mon PC va pas faire de la merde. Bon, bon de toute façon si vous voyez la vidéo, c'est que je l'ai pas loupé. Ah, pas mal aussi la musique. Bon
mon enculé. Et là, on va à l'étage. Alors ça, ne le faites pas en vrai, parce qu'il faut surtout jamais regarder une éclipse en fait, sans lunettes spéciales. Enfin, vous devez le savoir. Hein. Bon, ça en vrai, tu fais ça, t'as plus d'œil, hein, mais bon. Là, ça fait comme dans Berserk. Non, je vais pas spoiler. Attends, c'est le docteur qui fait ce bruit. Attends, en fait, c'était un T-Rex, le docteur. Vous voyez, l'éclipse, ça fait des trucs sur la rue droite. Et ouais. Le perso principal meurt. Vous y attendez pas à ça, hein? C'est logique, hein, il avait pas faire le poids contre le Rudra tout seul. Et du coup, il a aussi un Jade. Ouais, donc les trois persos principaux ont un Jade, hein, maintenant. Pas mal en fait. Putain, ça m'avait pas laissé seul ces bâtards. Bonjour Gozal. En fait ils disent Gozal les reptiles. Voilà, pomme, jour 5. J'ai fait... Putain, je fais le jour 3 et le jour 4 en même temps là. The fuck. Ouais, on dirait bien. Bon, voilà, voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine pour le Snow Drisa. Parce que là, on a bien dépassé. Et puis, bon, vous avez vu que le Snow Salent est aussi intéressant que les autres. Fallait juste avancer un peu. Donc, on est mort. Comment va-t-on ressusciter? Nous le verrons. À la prochaine vidéo, puisqu'on fera le service de Risa. Allez, salut!